Je m'appelle Grégoire Vanet, je suis résident chablaisien depuis toujours, marié depuis 20 ans, deux filles. Je travaille dans la construction depuis 20-25 ans maintenant. J'ai une formation de technicien en menuiserie, consolidée par un brevet de vente fédérale. Je siège à la commission d'urbanisme de la commune de Vouvry et annexe aussi, je suis président du comité d'organisation de la Torgona Bike. J'ai trouvé que c'était une chance de pouvoir écrire l'histoire du futur du canton du Valais. J'espère que nous allons pouvoir faire une grosse rénovation, de réhabilitation de cette constitution vers la modernité, vers la solidarité, vers les valeurs que je défends. Les valeurs familiales, déjà, ce qui est un peu le principe du PDC. Les valeurs économiques aussi. Aujourd'hui, on voit que le tourisme ne fait pas partie de la Constitution. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai envie de défendre. Et puis aussi la formation, que tous nos jeunes puissent rester dans le canton et puis avoir des formations solides pour leur avenir. Pour moi, c'est une phrase qu'il faudra moderniser. En regardant dans le passé, on a vu qu'en faisant à 18 ans, ça n'a pas forcément augmenté le taux de participation. Donc là, je me réjouis de débattre là-dessus, voir ce qui va sortir. Je pense que c'est une bonne chose à mettre les conditions en place pour que ces gens puissent voter. Oui, j'entre en matière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un thème qu'on voit sur la place publique ces jours-ci. Donc, je pense que l'égalité entre hommes et femmes doit absolument faire partie du débat. Le tourisme doit devenir une branche économique à part entière. Donc, on a besoin des paysages pour développer cette branche économique. Donc, à mon avis, oui, il faut que l'environnement fasse partie de la Constitution.